Re-YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça va bien du côté de... on me souffle dans l'oreillette par Silent. Que Détective Grenouille, c'est une série de jeux vidéo. Voilà. Salut, je suis le Détective Grenouille. Bonjour. Avant que tu me le demandes, je ne peux pas t'aider à mener des enquêtes. Je suis ici en vacances, j'adore résoudre des mystères. Mais il faut savoir s'arrêter de temps en temps. Là, parce qu'il s'agit de quelque chose que l'on adore. Ça me paraît sensé et raisonnable. Merci. C'est tout? C'est tout. D'accord. Mais je suis où, là, du coup? Tout ça, c'est bien mignon, mais au niveau de la carte. Moi, je veux voir au niveau de la carte. Ok. Ok. Donc, Mont Blanc, je suis redescendu. Ah oui, ok, c'est la cascade, d'accord, ok. Faut pas que je la prenne, sinon on va redescendre, on peut pas remonter après. Oh, trop mignonne. C'est off. J'adore l'escalade. C'est pour ça que je vis ici. Je peux me faire une bonne randonnée tous les matins. Un de tel pour garder les pattes sur terre. Ah. As-tu déjà visité le Mont Blanc? La montagne est gigantesque, tant de coins à visiter. En haute altitude, il y a même d'autres sources chaudes. Je suis même allé jusqu'à la cime une fois, et ouais! L'ascension est coriace, c'est sûr. Quand tu te promènes, n'oublie pas de ralentir le rythme de temps en temps. Fais une pause, et imprègne-toi du monde qui t'entoure. Tu trouveras beaucoup de choses qui méritent d'être apprécié. L'addiction, par exemple. L'addiction, par exemple, est une chose qui peut être appréciée. Alors, ce ne sont pas des pizzas au sol, ce sont des pavés. On fait souvent la... on confond souvent, mais non. Ce ne sont pas des pizzas. Elle est trop mignonne, la musique, là. Qu'est-ce qu'ils font là-haut, les deux, là? Salsa. Salsa? Des aventuriers, si t'as pas remarqué. Je dirais même plus, des chasseurs de trésors. Nous parcourons la province à leur recherche. Ouais. On a aussi nos propres trésors. Des trésors top secrets. Tu veux en savoir plus? Dac. Super! Nos trésors sont cachés à travers toute la province. Je vais te montrer toute leur cachette. Ok. 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 Je transférerai ces images dans ton appareil cortophoto. Tu pourras les consulter à ta guise. À ma guise? À ma guise, à ma guise. Et si tu trouves ces endroits, tu devras tapoter plusieurs fois sur l'endroit en question pour révéler le trésor. C'est ça le secret. Bonne chance dans tes recherches. Reste bien à l'affût de nos trésors. Souviens-toi quand t'as donné les indices. Dac, dac, dac. Bon bah... On a des trucs en plus à récupérer. Waouh. Chili. Bah tiens. Tiens. Salut, j'adore voler des trucs. Il n'y a rien de plus amusant. Si tu as besoin de dérober quelque chose, tu n'as qu'à me demander. Est-ce que j'ai d'autres passe-temps à part les cambriolages? Eh bien, laisse-moi réfléchir. J'aime bien les jeux vidéo de temps en temps. C'était long. C'était long et... C'était chelou. Ah, je peux pas monter par là. Donc faut que je monte par un autre chemin. Ok, ici on peut descendre. Tiens donc! Ne serait-ce pas là où il y avait un trésor des deux enfants? Évidemment je dis ça, mais
Évidemment, ce sont les enfants qui sont des trésors. Ah oui, j'étais venu par là. Ah mais il y a un truc là. Oh, putain, là-haut. Regardez ça, les petits cons. Je crois que j'y suis allé tout à l'heure en plus et je l'ai pas vu. Putain, ils nous planquent tellement de trucs là. Ça c'est fait. Là, il y a qui ici? C'est une catastrophe! Tatin. Cette station est fichue. Je te le dis, fichue. Allons, allons. Vous exagérez peut-être un peu. Je n'exagère jamais! Nous sommes victimes d'un cambriolage! Tout le monde, tout le mobilier, notre suite présidentielle s'est envolé, disparu! Il n'y a plus qu'un espoir. Il faut enquêter. Je m'y connais pas trop en enquête, mais je veux bien vous aider. Quel soulagement! S'il te plaît, viens voir ça de tes propres yeux. Ah oui, effectivement, il n'y a plus rien. Ah, d'accord, c'est vraiment vide. Bah oui! Et notre clientèle distinguée va arriver très bientôt. L'enquête doit être ouverte immédiatement. Heureusement, j'ai regardé beaucoup de séries policières. Donc je sais comment s'y prendre. Je dois photographier des preuves. Ok, d'accord. Des preuves. Eh bien regarde, il y a une preuve devant nos yeux. Sors ton appareil photo, zoom et prends un cliché afin de garder cette preuve. En incluant celle-ci, j'imagine qu'il doit y avoir 4 preuves aux alentours. Comment il sait qu'il y en a 4? Bonne chance! Oh, une dernière chose. Possède des éléments de décor, pourrais-tu en placer ici? Je resterai ici pour superviser le raménagement de notre suite présidentielle. Merci mille fois. Je sais même plus comment on photographie. Pas comme ça. Merde. Merde. Exactement comme ça. Maintenant, on va trouver les autres preuves. Alors, du décor. Une clientèle UP, donc... ça va vouloir du tapis, des trucs comme ça, quoi. Il y a son soleil. Arrête de plage. Le tapis grouillant, je suis pas sûr qu'il kiffe vraiment le tapis grouillant. Hop, trop bien ça. Ça, s'il y a une photo du peintre. Les richoux, ils vont aimer ça. Les richoux, ils vont kiffer. Ils vont arriver. Oh, Charles-Édouard, regarde. Lanterne. La lampe d'atelier, tiens. Des sièges. Ils vont vouloir des sièges. Ils vont vouloir un canapé. Évidemment. Chaise en bois, une chaise cœur, un siège cœur. Ah, je vais peut-être l'enlever lui. Bon, je laisse. Un tabouret cœur. Et puis quoi? Petit xylophone là? Pas le genre. Hein. Bah, un tapis cœur, ouais, bah. Pourquoi j'y ai pas pensé? Go. Oui, l'enquête, la déco. Cette suite n'est pas encore tout à fait présidentielle. On va accrocher quelque chose au mur. Tu t'occupais de ça? Bah, et genre, c'est quoi ça? Nombre d'or, tiens, ça va leur plaire. Une œuvre d'art classique. Stupéfiant, j'adore tes choix en matière de décoration. C'est différent, mais ça reste bel et bien notre suite présidentielle. Nos clients ne vont pas tarder. Je vais descendre et tu devrais te faire de même.
Vous avez vu? Quelqu'un qui dit que j'ai du goût. Marmelade, j'aimerais bien vous poser quelques questions, bien entendu. Où étiez-vous lorsque le mobile a disparu? Je prenais l'air lors de ma pause réglementaire. Lorsque je suis revenu, Madame Tatin était en pleine crise. Madame Tatin était en pleine crise de nerfs. C'est alors que j'ai appris la nouvelle. Un témoignage tout à fait convaincant. N'est-ce pas? Il est très convaincant parce qu'il est véridique. Bon, d'accord. Regarde-moi lorsque tu auras rassemblé toutes les preuves. Comment se passe ton enquête? Il me semble que tu as photographié une des quatre preuves. J'en ai imaginé quel genre de vaurien aurait pu commettre un tel acte. Viens avec le reste des preuves dès que possible. Poser quelques questions. S'il te plaît, ne me parle pas de ça maintenant. C'est trop pour mon pauvre petit cœur. Il faut que je pose des questions. Où étiez-vous quand tout a été volé? J'ai des petites habitudes bien à moi. Chaque jour, je suis d'ordinaire assise à la réception. Un bandeau sur les yeux. J'écoute de la musique de relaxation. Les yeux bandés? Ça me calme les nerfs. Très bien. Donc, avez-vous entendu quoi que ce soit? Comme je viens de te le dire, j'écoutais de la musique zen. Avec mon casque insonorisé. J'aime aussi mettre le son très fort. Comme ça, je suis hyper bien relaxé. Je fais ça environ 12 heures par jour. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'enquête. Marmelade, ma concierge, s'occupera de la suite de cette affaire. Va juste lui parler. Shit. Ok. Donc ça, c'est fait. Je vais pouvoir grimper à la façade. Pour aller récupérer des queutrues. Non, je peux pas. Putain, je peux pas. Ah si. Tef. Tef et Muscade. Nous étions venus à Bain-Marie pour ces célèbres vues panoramiques. Ça faisait des mois qu'on avait prévu ce voyage. Mais... franchement... sans couleur, c'est pas la même chose. En effet, je suis si heureuse qu'on soit tombé sur vous. Pourriez-vous redonner les couleurs au ciel? On soit le plus beau et le plus romantique possible. Muscade, on peut pas demander des choses comme ça au peintre. Non, pas de soucis, tout le monde fait ça. C'est donc que ce voyage soit spécial, hein, et nous aurions devrait avoir un ciel magnifique comme auparavant. J'aurais voulu qu'il déborde de couleurs, mais c'est évidemment ce que j'allais faire. Est-ce que ça peint en dessous ou pas? La question c'est est-ce que ça peint en dessous? Ouais non, ça peint pas en dessous. Faut que j'attende que le truc soit passé. Le nuage, c'est ça s'appelle un nuage. J'ai retrouvé homme et enfant, monsieur constate les dégâts sur la voiture. Sur l'épave, tu veux dire. C'est pas grave. C'est comme ça que je le voulais, ce ciel. Très désagréable, mais non. Elle a pris cher. T'avoueras que ça va être compliqué quand même, non? C'est pas ta faute en plus. C'est plein de couleurs, hein, comme ils ont demandé, hein.
Hop là. Et on fait un grand cœur dans le milieu. Encore mieux. L'ironie, c'est que ça va sans doute remplacer la déclaration du début de semaine du coup. Ah. Ombré. Oh là là. Est-ce que le ciel est peint comme vous le souhaitiez? Ah ouais. Waouh. 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 C'est vraiment très romantique. Vous voyez, j'ai mis un grand cœur dans le milieu. Nous sommes très chanceux d'avoir pu voir le peintre. On est les premiers à voir ce bout de ciel. Ce voyage s'est avéré être encore plus merveilleux que ce que nous avions prévu. C'est vrai. Merci beaucoup. Avant, je venais tous les ans avec ma famille. On adorait regarder le ciel à chaque fois. C'est tellement génial quand il avait changé... C'est tellement génial quand il avait changé l'année dernière. Après que Chicoré soit devenu peintre. Et maintenant, il a changé de nouveau. Deux fois de suite, quelle chance. Il est vraiment très beau. Mais pas aussi beau que toi. Oh. T'attendais depuis... quand pour me la sortir, celle-là? Trop longtemps. Je t'aime, mon cœur. Moi aussi, je t'aime. Trop mignon les deux là. Ah ah. Mais y a tout le monde, qui arrive. Oh, quel joli ciel. J'en ai entendu parler et j'ai voulu venir voir de mes propres yeux. Est-ce que tu réfléchis beaucoup quand tu peins? Ah, pas du tout. Pas vraiment. Moi non plus. N'est-il pas étrange que l'on puisse être considéré comme un grand artiste alors qu'on carbure au pressentiment et qu'on peint avec son cul? Ça m'a pas mal perturbé personnellement. Je crois qu'on a beaucoup en commun. Voilà le bordel. Voiture au nom de ma boîte. Assure au nom de monsieur. Donc je suis la conductrice principale. Mais qui au moment du choc était conduite par la... Oh là là. Donc elle aurait appartenant aussi. Ah, non. Ça va être quelque chose. Hein. Waouh. Il n'y a vraiment que la coque pour nous faire un ciel aussi somptueux que celui-ci. Si seulement j'en savais plus sur l'art, je n'arrive pas à exprimer ce que ton travail me fait ressentir. Tout ce que je sais, c'est qu'il est super et que j'adore. Chien. Ouais, puis y a de l'ordure là. C'est Riton. Vous avez vu? Vous passez aussi vos vacances ici? Bain-Marie, c'est mon coin préféré pour me reposer. Les chemins enneigés des montagnes, suivis d'un bon bain chaud dans des eaux thermales. Il n'y a rien de mieux. Attendez, ça serait pas une preuve, ça? Je sais pas si c'est une preuve, mais ça y ressemble beaucoup, quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Tout un tas de preuves juste à côté de vous. Des preuves? Si vous faites ici, derrière la station d'ailleurs. Oh, je sais pas. Je crois que je me suis perdu. Donc vous ne savez rien à propos du mobilier volé? Non. C'est exactement ce que dirait un coupable. Vous pouvez circuler. Et vous faites officiellement partie des suspects. Oh, on m'a jamais suspecté de quoi que ce soit. J'essaierai d'être une accusée modèle. J'aime beaucoup les personnages. Ils sont tous mignons. Ah, je peux pas rentrer là-dedans, là? A priori, non. Je peux pas rentrer non plus. Ah, je peux aller dans l'eau? Ah oui! Attends, c'est quoi le nom de ton perso? C'est E à la coque. En fait, au tout début du jeu,
Le jeu te demande c'est quoi ton plat préféré. Et il te demande juste c'est quoi ton plat préféré, quoi. Et bah moi je dis bah c'est les œufs à la coque, quoi. Donc voilà. Mais vu qu'il y avait pas la place, je l'ai écrit comme je pouvais. Eh mais j'ai même pas pris le trésor, au fait. Le trésor des gamins, je l'ai même pas pris. Tout à l'heure, je suis descendu. Je suis allé là. C'est ici ou c'est pas ici? C'est là? Attendez, il est où le trésor des gamins? Trésor des gamins, Non, il est là. C'est bien ici. Oui, c'est bien ici. Là, entre les deux herbes. Ah là. Ok. C'est quoi les deux autres? Je pense voir où c'est. C'est tout en bas là sur l'île l'île de l'épreuve. Là je sais pas trop. Je sais pas trop hein. On va aller prendre la photo au niveau du voleur, je pense, voilà. Hey! Pourquoi est-ce que t'es en train de prendre des photos de ma super grotte qui ne contient absolument aucun objet volé? Ça doit pas être légal de faire ça. Ton comportement me paraît très suspect. Y a un gros tas de preuves sous tes pattes. La seule preuve que je peux voir, c'est un photographe au comportement très suspect. Ça doit être toi qui as volé tout le mobilier de la station. Hein? J'ai rien dit à propos de la station, moi. T'es officiellement inculpé comme suspect. Ouais, bon. D'accord. Inculpé comme suspect. Rigolo. Drôle de formulation, mais rigolo. Mais me dites pas que c'est Captain Grenouille. Là! Vu. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'essaie de résoudre un mystère. Tout le mobilier de la suite présidentielle a été volé. Oh! Waouh, franchement ça m'a l'air très intéressant. J'essaie de ne pas contempler ce mystère une seule seconde. Je m'efforce de bien imiter mes frontières personnelles afin de maintenir un équilibre sain entre ma vie et mon travail. Ouais, ça se comprend. Et toi, comment fais-tu pour équilibrer ton travail avec ta vie personnelle? Pas très bien je crois. Je suis tout le temps épuisé, mais il y a des problèmes dans tous les sens. J'ai l'impression qu'ils sont tous de ma responsabilité. Ah oui, je comprends parfaitement. Moi et les énigmes, c'est pareil. J'ai découvert que m'imposer des règles, c'est très utile. Je ne m'autorise plus à travailler à certaines heures ou certains endroits. Là, justement, je suis en vacances, donc pas d'enquête pour moi. Et samedi, pareil. Je dis non aux enquêtes. Alors oui, c'est complètement arbitraire. Et ça m'aide à rester zen, donc ça doit être une bonne méthode. Il y a toujours d'autres enquêtes à mon retour. Certes, ces conseils s'appliquent surtout à moi. Mais peut-être qu'ils te donneront du grain à moudre. Merci, détective Grenouille.
Ah, on dirait bien que tu as trouvé toutes les preuves. Es-tu prêt à mener l'interrogatoire? Allons-y. Très bien. Commençons l'interrogatoire. Je connais déjà le coupable. C'est bien évidemment Chili. Que? Ouais? C'est pas juste. Tu peux pas décider ça en te basant sur des preuves aussi dérisoires. J'avais tellement hâte d'être interrogé, moi. D'accord. Oui, avez-vous volé le mobilier? Eh bien non, absolument pas. Alors comment pouvez-vous expliquer cette preuve? Je suis tombé sur ça en même temps que vous. On dirait du jus. Du jus? Bah ouais, liquide sucré à l'intérieur des fruits. Oui, je connais la définition de ce mot, mais pourquoi y aurait-il du jus tout autour de bain-marie? Parce que j'en ai volé! Ah ah! Donc c'est toi qui as volé le mobilier? Ah non! J'aurais adoré voler les meubles! Par contre, j'ai bel et bien volé une impressionnante quantité de jus. C'est pour ça que j'en avais plein les pattes. Mais pourquoi voler du jus? Parce que j'adore voler des trucs! C'est marrant et c'est surtout très gratifiant. Je crois qu'on perd le fil là. Il y avait du jus sur les lieux du crime. Il y avait aussi bizarrement derrière la station. Le seul autre coin où j'ai trouvé des traces de jus, c'était près des sources. Chili, as-tu laissé tomber du jus à ces endroits? Pas du tout, juste dans ma grotte. Le reste, j'en sais rien du tout, moi. Oh. Alors le coupable doit forcément être... je crois que derrière, il y a... Il y a une chauve-souris qui flippe derrière. J'en ai aucune idée. J'abandonne. D'accord, j'avoue. J'étais en train de ranger la suite présidentielle, tout en me délectant de mon jus préféré, lorsque la catastrophe arriva. J'avais renversé mon jus partout. Et je n'arrivais pas à nettoyer quoi que ce soit. J'avais tout essayé, mais ces tâches ingrates résistaient. J'étais désespéré, prêt à tout. Une idée me passa par la tête. Le mobilier. J'en avais qu'à lui faire prendre un bon bain. Donc j'ai traîné tout ça derrière la station jusqu'au bain. Et j'ai tout jeté à l'eau! Tout a immédiatement coulé au fond. Y'a rien à faire, tout est récupérable. C'est entièrement de ma faute. Je suis la pire concierge du monde. Je suis vraiment désolé. Il est bien ce jeu, bordel. Marmelade. Tout va bien, ma chère. Hein? Quoi? C'est pas grave, je vous pardonne. La possibilité d'un cambriolage m'affolait plus que tout. En sachant que c'était vous. Bien, je suis soulagé. Nous pouvons compter sur Walacock pour réaménager la suite de toute façon. On s'en fout de se faire voler vu que l'autre il va tout nous payer gratos. Ah super. Ah donc bon. Je vois. Dans ce cas, ce sera tout. Merci à vous autres d'être venus. Et un grand merci à Walacock pour son interrogatoire perspicace. Cette affaire est officiellement close. Putain. Tu as résolu le mystère du mobilier volé. Merci encore. Je regrette les choix douteux qui ont amené à cette situation. J'apprécierais que une certaine discrétion. Au sujet de mon habitude fâcheuse, en lien avec la consommation de quantités importantes de jus, c'est peu convenable de la part d'un employé modèle tel que moi. C'est rigolo parce que les chauves-souris aiment vraiment bien les fruits en fait. C'est rigolo parce que c'est vrai. Cette canaille de Chili nous dérange depuis un certain temps. Peut-être devoir rien voler, mais je suis certaine qu'un jour il placera à l'acte. J'espérais que l'enquête le pousserait à s'enfuir des environs. Mais tout ça ne pesait trop sur la conscience. Sur mon âme honnête et noble. Oh là là. Je crois qu'un mystère reste moins entier. Tout ce jus, d'où Chili l'a-t-il donc volé? Une minute. Ma réserve de jus est-il... Chili. Ah merde. Ah mais merde. C'est drôle, c'est drôle. Marmelade travaille ici depuis longtemps. Franchement, je sais pas comment je ferais sans elle. Donc je suis prête à ne pas faire tout un plat. Et à passer l'éponge sur cet incident. Mais j'espère que ça n'arrivera plus. Mais trop drôle, quoi. Oh! C'est Kiwi! C'est marrant de te retrouver ici. Ah, même les bardes ont besoin de vacances de temps en temps. Je m'entraînais à chanter la mélodie que nous avions créée ensemble. Comme quoi elle doit vraiment être géniale, car personne n'est venu se plaindre du bruit. Enfin, pour l'instant. Bard! Ouais, bah oui.
avec cette chanson magnifique. De ma composition, enfin de notre composition. Est-ce qu'il y a du monde en haut ? Est-ce que je peux retourner parler à Chili ? Est-ce que je vais parler au Capitaine Toad ? Non, Chili, rien d'autre à dire. Voilà. Ah bah on descend dans la rivière. Alors, il y a ça, mais il y a ça que j'avais pas vu. Ah, mais si, je l'avais vu. D'accord, ok. Je l'avais vu. Nice, c'était comme ça. Hop. Un petit chat. Hein. Ah. Oui, là, je peux... Oui. Attends, il y a un passage ici. J'arrive en cas. Ok, les ordures c'est bon. C'est cool. Donc je suis là. Je descends et peut-être que je pourrais passer. Non, j'ai dit. Bah non, j'ai dit par la flotte. J'ai déjà oublié quoi. C'est il y a 2 secondes, j'ai déjà oublié. En fait, je pouvais juste. Non. Ok, je me suis pris la... Je pense que je me suis pris la tête. Ok, il y a des ordures. Et il y a un petit chat. Je peux passer à cause des pierres. Okay. Je suis jamais venu ici. Yori. J'ai des trucs à récupérer. Des ordures et un cadal. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a des champis. Est-ce que je peux être là et sauter après ? Ah, c'est faisable ça.
Voilà. Le casque de skater. Donc idéalement il aurait fallu descendre un peu. Mais je voudrais bien, mais je peux point. Je crois qu'on peut pas arnaquer le jeu. Je crois que le jeu a prévu les arnaqueurs là. Il a dit non. Là, on avait dit à Diners. Pour retrouver oui. Pour retrouver Chicory à Diners. Tu veux t'asseoir ici? Ouais. C'est sympa ici. Ma sœur et moi, on leur a créé un logo. Oh, je savais pas que tu avais une sœur. Elle est artiste, elle aussi, la meilleure. J'ai toujours un peu de mal à y croire. Je suis là, en train de traîner avec toi. J'en ai tellement rêvé. Ah, tu sais, moi aussi, j'ai du mal à y croire. Je suis en train de flâner quelque part. D'aussi loin que je m'en souvienne, tout ce que je faisais, c'était pour devenir peintre. Et dès que j'y suis parvenu, tout s'est écroulé. Pourquoi voulais-tu tellement être peintre? Je sais pas. Ça a toujours paru être une évidence. Et toi, tu n'as pas quelque chose dont tu as rêvé toute ta vie? Non. Pas vraiment. Ah, me revoilà moi et mes gros sabots. Je ne voulais pas te prendre au dépourvu. Non, pas de soucis. En vrai, ça me change d'habitude. J'ai toujours voulu connaître mon but dans la vie. J'ai jamais su comment. Quand je te parle, tout ça a l'air d'être plus concret. Si tu as trouvé ton but, alors peut-être que moi aussi j'en suis capable. Parfois, je me dis que j'aurais préféré ne pas avoir été certaine à ce point-là du mien. Enfin, d'avoir cru que j'en étais certaine. J'aurais voulu pouvoir envisager d'autres chemins. Jamais eu plan B, j'ai jamais eu de plan B. Je me suis même pas fait d'amis, rien. Et maintenant, au point où j'en suis, c'est dur de ne pas avoir l'impression d'être une ratée. Eh ben, maintenant que tu sais tout ce que je ressens tout le temps, maintenant tu sais ce que je ressens tout le temps. Mais sérieusement, tu n'es pas une ratée, Chicory. Je crois que c'est normal de ne pas toujours savoir où on va. Je sais que c'est normal. C'est juste que ça n'a jamais été pour moi. Mais merci. Pour l'instant, je continuerai de vivre au jour le jour. Franchement, ça enlève un peu... Ça enlève un tel poids de mes épaules de pouvoir enfin parler de tout ça. Je suis heureuse que nous soyons amis, la coque. Oh. Je suis heureux que nous soyons amis, moi aussi. Bah oui. Il n'y a rien à me dire, lui. Un seul logo. Un seul logo. Ah, mais il y a Sista. Comment ça va, Sista? Désolé, hein. Bien là.
J'ai des carrefours. J'ai déjà eu par là. Ah, on a de l'eau ici. On a de l'eau ici, ça vaudra peut-être le coup d'y aller. Maintenant qu'on sait nager. Te revoilà, toi. What? What? Hop. Pris les ordures. Casse tous les cailloux. Il y a l'arbre en bas à droite. Ah merde, vous le voyez pas. L'arbre qui est derrière moi, il me donne envie de bâiller. Regardez ça. Je vois un visage dans cet arbre. Et il me donne envie de bâiller, le con. D'ailleurs, il y arrive. Merde. Alors, on est passé de l'autre côté. Ici, nous avons un cadeau. Ici, nous avons un petit chat. C'est qui, monsieur Tortue, là? Waouh, quel petit jardin ravissant! Quelle de ces plantes est ta préférée? Elles sont bons et fraîches, j'ai envie de rester ici à tout jamais. Au fait, j'espère que ça va pas te sembler bizarre, mais j'ai fait quelque chose pour toi. Mais je n'ai pas encore tout à fait fini. La prochaine fois que tu me vois, fais-moi signe, ok? Gros cadeau là.
Zeriz, gros cadeau. La jungle, je peux faire. Ça mène où ça? Quelque part où je suis déjà allé, a priori. Ah bah, je te vois là. Je te vois, t'as rien à me dire. Ok, ici ça ramène à collation. Hop là! Un petit plouf. Hâte de bailler, tu me fais bailler. Ouais, mais j'y peux rien, quoi. Si j'avais le choix. Je voudrais bien, mais je peux point. Je suis obligé de continuer par là maintenant. Ah, attendez, regardez. Ce serait pas l'un des spots pour les... Bah si. Non. C'est encore dégueulasse ici. Hein. Est-ce que ça serait pas le... C'est ça, entre les deux rondins là. Je pensais que c'était au sud, en fait c'était ici. Donc coup de bol. Alors pourquoi ce perso me fait penser à quelqu'un dans la vraie vie? Je sais, hein, je sais à qui il me fait penser. Et je trouve ça incroyable, j'ai vu le perso et la personne a popé dans ma tête direct quoi. Huître. J'ai bossé sur ce château de sable toute la journée. Je sais même pas pourquoi. Ça m'a vraiment absorbé. Tu l'aimes bien? Ouais. Merci. Je veux devenir chanteuse de pop. Je me préparais pour une audition importante. Aujourd'hui j'ai reçu de mauvaises nouvelles. Et tout est en pause. J'ai pas su comment réagir, donc me voilà en train de faire un château de sable. Pour essayer de ne pas y penser. Jusqu'à ce qu'un inconnu vienne me parler apparemment. Je sais que c'est pas grave. Je sais qu'il y aura d'autres opportunités. Enfin, j'espère. C'est juste que c'est dur d'y croire. Quand tout ce que tu vois, c'est l'échec. J'essaye de rester positive. Je voulais juste vraiment avoir cette chance. Désolé d'avoir déballé ma vie comme ça. No problem. Ah bonjour, je ne sais pas comment te le dire, mais j'ai quelque chose à te montrer. Ouh là, j'ai peur. Mais dis donc, je connais ce truc. Tu reconnais? C'est ma propre version de ton autoportrait. Celui qui est accroché dans la tour des peintres. Je voulais vraiment faire quelque chose dans le même genre. Bien évidemment, je ne pouvais pas utiliser des couleurs comme toi, mais... Qu'en penses-tu? J'adore trop. Ah, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir que tu l'aimes. Je veux te le donner.
Tu as obtenu le dessin d'une fan. Mais si elle ne te plaît pas et que tu veux pas l'accrocher, c'est pas grave. Je suis quand même contente d'avoir pu te faire ce cadeau. Merci d'avoir créé tant de belles choses. Ça tourne à l'obsession quand même. Je veux pas dire, mais ça tourne à l'obsession. Mais dis donc. Qu'est-ce que c'est Noël ou quoi là? Désolé, fiafia. Désolé, mais... C'est dur, là. Je suis au bout du monde, là. Effectivement, j'ai l'air d'être... assez loin. Te vois, petit miaou. Ordure everywhere. Tiens, 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 un autre miaou. Cachou, bonjour, je suis l'assistant de la docteur fromage. C'est moi qui collecte les échantillons qui l'utilise dans ses recherches. Proviennent surtout des couleurs que tu as données à pique-nique. J'aide aussi par-ci par-là au laboratoire. C'est quoi comme animal ça? Ne s'ennuie jamais ici. Nous sommes à la pointe de la recherche sur les couleurs. La docteur fromage est vraiment incroyable. Elle était déjà en train de révolutionner ce domaine pendant ses études. Et ce sont ces publications qui m'ont inspiré à poursuivre sur cette voie. C'est une vraie chance de pouvoir travailler à ses côtés. J'ai déjà entendu parler de ses travaux. C'est elle qui avait théorisé l'existence des couleurs primaires. Le rouge, le vert et le bleu. Elles sont en suspension. Bah elle est où la quatrième? Bah la quatrième couleur primaire elle est où? Là-bas au fond du labo. Il s'avère que ce sont leurs combinaisons qui produisent toutes les autres couleurs. Fascinant, n'est-ce pas? Mais si je ne t'ai pas encore époustouflé, alors accroche-toi bien. Nous avons prouvé que le noir découle de l'absence des trois couleurs primaires.
Tandis qu'à l'inverse, leur paroxysme engendre le blanc. L'état normal de notre monde se situe donc simplement à ces deux extrêmes. Par conséquent, lorsque tu utilises ton pinceau, tu n'es pas en train d'ajouter de la couleur. Tu es en fait en train de démêler les couleurs qui existent déjà. Oui. Révélant ainsi les nuances cachées qui existaient entre le blanc et le noir. Incroyable, n'est-ce pas? Ah oui. Le but actuel de nos recherches, c'est de synthétiser le mécanisme qui sépare le rouge, le vert et le bleu. Comme ton pinceau le fait. Certains affirment que le docteur Fromage joue avec l'ordre naturel des choses. Qu'elle est en train de jouer à l'apprenti sorcière avec les forces primordiales. Peut-être. Mais on ne pourra pas nous dire que ce n'est pas captivant. Nous aventurons vers l'inconnu. Et au-delà. Tiens, tiens, tiens! Je me demande bien quand tu allais finir par trouver cet endroit. Je suis la docteur Fromage, une scientifique, et j'étudie tout plein de choses. Mais on me connaît surtout pour mes travaux sur la théorie des couleurs. Comme tu peux l'imaginer, j'avais hâte de te rencontrer. Ton pinceau est vraiment un objet très particulier. Mais grâce à nos recherches, nous avons trouvé des moyens de reproduire des couleurs. Et potentiellement d'en créer aussi de nouvelles. Enfin, ça reste spéculatif pour l'instant. Mais quand même, nous adorerions collaborer avec toi. Si notre hypothèse est correcte, nous pourrions fabriquer un style de pinceau qui te permet de confectionner tes propres couleurs. Ce n'est pas qu'un prototype pour l'instant, mais bon. Est-ce que ça t'intéresserait de confectionner tes propres couleurs? Ah bah oui. C'est bien ce que je me disais. D'abord, je dois concevoir les couleurs de ton... Tu dois concevoir les couleurs de ton choix. Je vais te laisser bricoler. Ah. Au hasard. Merde, j'ai pas pu. J'aime bien lui. J'aime bien lui. Ah mais non, mais ça remet tout au hasard à chaque fois. En vrai? Ah ouais, ça change tout en fait. Merde, la palette est... Merde, la palette que j'avais, elle était bien. Oh, elles sont... C'est les couleurs des ongles de Aqua. Je dis c'est bon. Parfait. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, nous allons intégrer ces couleurs dans un nouveau style de pinceau. Oui. Cette expérience est un succès! Tu as obtenu un style de pinceau rangé. Si tu actives ce style de pinceau, tu pourras peindre avec tes propres couleurs. Une fois activé, tu peux le combiner avec d'autres styles. Revenir vers nous si tu souhaites changer les couleurs qui sont associées. Je t'encourage à aller le tester un peu partout. Jamais dû Attends, je n'aurais jamais pensé voir ce jour arriver. En faire un pas de plus à la création des couleurs sans pinceau. Le prototype vient de propulser notre recherche en avant de plusieurs années. Merci mille fois. Veux-tu changer tes couleurs personnalisées? Non. La couleur est une chose si mystérieuse. J'ai envie la capacité de créer au gré de tes envies. Il a fallu toute une vie de recherche pour en produire. Une seule goutte. Et je suis passionné par ce mystère. Et par le défi que pose sa résolution. J'espère qu'un jour nous arriverons au bout de toutes nos questions. Donc là, faudra que je descende ici. Les gorges du Graillon. Oh merde. Ce nom nul. Les gorges du Graillon. Vraiment quoi. Eh ouais la coque, je sens que ça va être une épreuve compliquée pour moi. Qu'est-ce qu'il y a?
J'avais fait celle-ci en dernier, son thème, l'élève dépasse le maître. Et ça s'était pas très bien terminé. La dernière fois que j'avais parlé à Myrti, c'était ici. J'aime pas détester de vieilles embrouilles. J'aime pas déterrer de vieilles embrouilles. Je suis sûr que c'est pour ça que cet endroit a l'air si glauque. Il va falloir qu'on l'affronte ensemble en remontant cette rivière jusqu'à sa source. Non mais ça passe. Genre. Ouais, ça passe. Allez. Sûr. Alors je monte. Je monte et je saute. Faut gagner de la distance. Non mais il y a un mur invisible là, c'est pas possible. Ah, attendez. Sérieux. La tête de robot. Ah, j'ai le corps de robot et la tête de robot maintenant. Ah, je peux y aller là, ok. Alors... Ok. Je vais où ? La question.
Le masque. Orange. Dans la vraie vie, vous les sortez les masques. Dans le jeu, on peut ranger. Ok, on ramasse les ordures. Merde. Je crois que c'était lui, mais non, c'était à côté. Les cornes. C'est pas là qu'il faut aller. De l'autre côté, c'est ça, hein. Ouais. J'ai pas l'impression qu'on puisse aller ailleurs. Ça. Ah mais faut aller à gauche ou faut aller
mais c'est un raccourci ici. D'accord. G. Les lunettes, c'est bon. Ok, on va avoir un raccourci pour revenir là. Quelle ville ici? C'est je sais pas. Petit-déj, putain mais petit-déj en fait je l'ai, j'ai passé petit-déj. Je suis allé parler à personne, c'est un peu con. Les pauvres. Ils méritent. Ils méritent qu'on leur parle. Ah oui ici c'est C'est là où il y a la porte verrouillée là. Ça je vois. Ok, donc c'était bien là qu'il fallait aller. Il n'y a pas un truc à droite ? La source de la rivière est juste devant nous, la coque. Tu vas devoir affronter la corruption. Une de ces choses que seul le pinceau peut combattre. Désolé. Continue quand tu te sentiras prêt. Hikori, difficile passé entre toi et Myrtille exactement. Je vais te raconter si tu veux vraiment savoir. J'ai admiré Myrtille toute ma vie. Être son élève, c'était un rêve devenu réalité. Et j'irai jusqu'à dire que nous étions devenus amis. Je ne voulais surtout pas la décevoir. Mais du coup, je devais être parfaite. Le moindre signe de faiblesse aurait pu être la fin de mon rêve d'être peintre. Donc je me suis replié sur moi-même, toujours à prétendre que j'allais bien, même lorsque je n'avais personne d'autre à qui parler. Et je m'en suis sorti jusqu'à cette épreuve, ma toute dernière. Myrtille savait que quelque chose clochait. Elle prétendait ne pas l'avoir remarqué, jusqu'au moment de passer le pinceau ici même. C'est à ce moment-là que tout éclata au grand jour. Tous ses doutes envers moi, cette dernière étape était censée être simple, mais d'un seul coup, elle menaçait de reprendre le pinceau. Je me suis senti tellement trahi, après tant d'efforts si près du but. Ce fut une discussion intense. Elle tenta de m'arracher le pinceau, je me suis battu, et puis quelque chose poussa sous nos yeux, juste là. Ce fut la première fois que je vis ces arbres noirs. On ne s'est pas reparlé depuis. Je me suis enfui avec le pinceau. J'étais certaine de pouvoir tout garder sous contrôle. Certaine que ça ne se reproduirait pas. La suite, on la connaît. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Et que toutes ces choses ont poussé ici. Tout est de ma faute. Et c'est pas que toi, Chicoré. Il y a aussi des choses qui sont venues de moi. C'est le pinceau. Peut-être que le pinceau leur a donné forme, mais je regrette de ne pas avoir été plus forte. J'ai laissé tout ça croître en moi. Voir tout cet empoisonnement autour de moi. C'est comme être entouré de mes erreurs. Et injuste envers toi. Myrtille aurait dû être là pour toi. Personne ne peut être parfait. Ça ne doit pas t'empêcher d'être peintre. Je crois que Myrtille savait que tout ça allait arriver. Si quelqu'un en difficulté se mettait à manier le pinceau, il se glisse au plus profond de toi et donne vie à toutes ces choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Peut-être que tout ça est injuste, oui, mais... Eh bien, la vie a été injuste envers moi. Je n'arrive pas à fonctionner comme les gens normaux. Il faut que je vive avec. Je n'aurais sans doute jamais dû devenir peintre. Et t'as été génial en tant que peintre. Peut-être que si tu avais été mieux soutenu, toutes ces choses ne seraient jamais sorties du pinceau. Et Myrtille a rendu ça impossible. Si seulement quelqu'un avait été là pour toi, Chicoré. Oui, moi aussi j'aurais souhaité que tout se passe différemment. Je préférerais ne pas avoir besoin d'aide. Je voulais tout faire par moi-même, comme Myrtille. Mais j'ai laissé tomber tout le monde. Désolé, je... Être ici ne m'aide pas. Je comprends que tu essayes de m'aider. Et tu as sans doute raison. Tout ça n'était que de ma faute, mais là, je ne peux pas. Continue sans moi. D'accord. Je suis désolé que tout ça te soit arrivé, Chicoré. J'espère qu'en parler, ça t'aide un peu. Bah...
Myrtille, pas génial, hein. Ah! Un arbre. L'arbre mojo. Ok. On peut cramer des queutrues avec le pinceau. Ça va, elle a chopé une gono. Le pinceau, oh là là. Putain, merde. Pas vu venir. Je l'ai pas vu venir celle-là. Ok. Ah non, j'ai pas fait cramer là. Regardez.
Allez, on crame tout. Cramer. Si on était chez Résu, là. Ok. Après tout ce temps, tout cet entraînement, je ne suis juste pas assez doué pour toi. Chicoré, ne fais pas ça. J'en peux plus de tout ça. Je te déteste, Myrtille. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Je serai peintre. Que tu le veuilles ou non. C'est vraiment passé comme ça ou est-ce que c'est... C'est encore un fantasme. Elle est partie. J'ai commis une énorme erreur. J'aurais jamais dû. Comment ai-je pu la repousser à ce point? Comment ai-je pu laisser arriver ça? Je suis un monstre. Jamais compris que ce que ça demandait vraiment, pourquoi j'ai dû agir ainsi, ce n'est pas ma faute, elle est faible. Ce n'est pas de ma faute. Elle aurait dû m'écouter. Et alors, pourquoi est-ce que je me sens si coupable? Est-ce de ma faute si elle est ainsi? Pourquoi n'ai-je pas pu régler tout ça? Merde. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait un deuxième tour. Net l'enfer quoi. Trop dur quoi. Je voulais juste l'aider, je voulais qu'elle soit parfaite,
Je voulais être son amie, mais elle est partie. Et je ne peux rien y faire. Elle est partie. Elle est partie. Chapitre 9, quatrième épreuve. Allez, on va s'arrêter là. Oh, pour le bruit dehors, c'est moi qui éternue si fort que tu as entendu, Dardèche. Ah oui, quand même. Allez, on va s'arrêter là. Bon, je pense qu'on est plus très très loin de la fin. Il y a une bonne partie de la carte quand même qui est... qui est complétée. Il nous reste une épreuve. Après, bon, on va sûrement faire essayer, tenter le 100% quand même, d'essayer d'aller tout récupérer. On verra bien ce que ça donne, mais... Pourquoi je m'absente de faire de la pâte à crêpes et quand je reviens, c'est triste? Est-ce que tu es là depuis le début du jeu ou pas? Parce que globalement, c'est triste depuis le début du jeu, en fait. C'est quand même un jeu qui parle de, qui traite de la, de la dépression... Vraiment depuis le tout début du jeu, quoi. Je... Bah pas trop aujourd'hui, mais non. T'as fait un ciel romantique, oui. Bah oui, bah non. Et aujourd'hui, pas trop. Mais putain, la dernière fois, j'ai... Je lisais des trucs et j'avais la voix qui partait un peu, quoi. Donc j'ai... Pour ce point-là, j'ai pas hâte d'être à la fin du jeu. Hein. Parce que je pense que ça va être la chialade. Hein. Et on verra ça une prochaine fois. Bisous YouTube.